Chambre commerce haïtiano-américaine AmCham ak association Chambre commerce américaine Amérique latine ak Caraïbes ACLA mette bout jounen mercredi a nan conférence internationale yo ki te démarré lundi a nan hôtel Marriott Turgeot. Pendant 3 journées, participants ont brassé l'idée sous méthode yo ka utilisé pour faciliter plus investissement dans la région Amérique latine ak Caraïbes. C'est ministre touriste la Stéphanie Balmier-Vildouin ak économiste Kesnia Farel qui t'est intervenu dans dernière journée conférence la. Vice-présidente AmCham nan Régine René Labrousse qui t'est gen ak li de l'autre membre Daniel Jadot ak Cédric Chauvet fait connait à travers conférence sa yo, yo rive conscientiser diaspora sous nécessité pour yo venir investir dans pays a. Régine René Labrousse a expliqué dans micro Vladimir Maurice Ridoré ak Colin Hildorest. Nous même nous là parce que après un an n'a travaillé son conférence que n'a réalisé actuellement. C'est une conférence qui relève Business Future of the Americas, une conférence de toute AmCham de toute région. Et ça nous réaliser ces thèmes qui est extrêmement important pour l'économie nous. Diaspora investments in Latin America and the Caribbean. Ça veut dire qui je nous canaliser, mieux canaliser tout cob transfert investissement de diaspora pour stimuler l'économie. Nous. So, le 1er juin, nous avons un aspect très régional. Aujourd'hui, nous rentrons dans le contexte haïtien. Nous commençons la journée avec une mise en contexte de Kesnia Farel et de Henri-Claude Muller-Poitvien et Chenin Saint-Ville qui mettent tout en évidence qui accord qui existait, ça qu'a fait dans l'économie. Après ça, nous rentrons dans le détail avec le ministère de Tourisme et le ministère de l'Agriculture dans deux secteurs clés que nous identifions. Nous aussi jouons le support de l'ambassadeur Altidor, qui est co-chairman AmCham haïtien, pour faire le lien avec la diaspora. Et aussi du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, M. Robert Labrousse. L'objectif, c'est stimuler l'économie. Qui j'en ai qu'à stimuler l'économie, il faut que tout le monde comprenne ce qu'a fait d'un pays en vain. Défis, opportunités. Ça nous voulait vraiment faire avec diaspora. Il y a plusieurs opportunités pour petites et moyennes entreprises qui ont grandi. Mais il faut que nous connaissions ce qu'a fait, qui plan qui gagne, qui opportunité nous gagne. So, c'est ça que nous essayons de réaliser durant 3 journées. Nous aussi réaliser plusieurs B2B meetings. Ça, c'est réunion organisée, structurée avec entrepreneurs qui ont même intérêt. Yo.